Avant qu'il ne frappe. Y a-t-il autant de serpents? Loué soit le Dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Ça me fait toujours plaisir de venir en aide à quelqu'un. Ce monde manque hélas de gens comme toi. Surtout en ce moment. C'est Périclès qui m'a envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents? Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici. Et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents? Non, les bandits! Pourquoi une telle mise en scène? Les hommes politiques sont des cibles de choix ces temps-ci. Quand ils m'ont ligoté, ils m'ont traité de serpent, qui méritait d'être tué par ses semblables. Tu connais ceux qui t'ont fait ça? Périclès m'avait demandé d'aller dans le quartier des pêcheurs pour parler aux pauvres et aux malades, leur redonner espoir. C'est comme ça que j'ai reconnu leur voix. Vraiment? Oui! Ils m'ont jeté des aliments pourris et m'ont injurié! Ces bandits cachaient leur visage, mais ils dégageaient une épouvantable odeur de poisson! Où puis-je les trouver? Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai reconnu leur voix. Ils viennent d'un quartier où je suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Je vais les trouver, Métiokos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Des serpents, semblables à ceux qui devaient tuer Métiokos.
Des morsures de serpent. Et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Métiokos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Métiokos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qui ? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Métiokos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Pourquoi faire tuer Métiokos par des serpents ? Nous sommes prisonniers dans cette ville, à cause de Périclès et de ses amis corrompus. Le vendeur de serpents a dit qu'il était temps de leur envoyer un message. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Cléon dit qu'il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Peu importe ce que tu feras de nous, d'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Dis-moi ce que je veux savoir, ou je vous tue. C'est aussi simple que ça. Vous et votre cause, on n'en parlera plus. D'accord, d'accord. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ses serpents. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien ne t'oblige à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Et changez ce que vous pouvez changer. Merci. On va essayer. Tu dois débarrasser Athènes de ce vendeur de serpents. Le lieu sera bien défendu. Je vais te tuer, Mystios. Tu vas sentir mon venin dans tes veines. Tu ne mourras pas. Sauver la vie des amis de Périclès.
permettre de briser le plâtre. Qui oserait nous affronter en bataille rangée? Ce n'est pas la police qui nous aidera. Oh non! Gueulez tous, Dieu d'enfant! Thank you.
tuer le chef et rapporter une preuve, c'est ça. Ça pourrait intéresser Cléon. Lui fournir la preuve qu'il souhaite. Si je veux éviter un combat, je dois rester cachée. Te revoilà. Tu as la preuve que je t'ai demandée ? J'ai pensé que ça t'intéresserait. Je l'ai pris au chef spartiate après l'avoir tué. Tu sais de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta réaction t'a trahi. Oui, l'homme dont parle ce message menait une affaire importante pour Athènes. Pourquoi le messager voulait-il aller à Mytilène ? Il devait apporter des vivres aux habitants et les aider face à leurs oppresseurs. Qui est cet homme pour toi ? Tu as l'air inquiet. Ce n'était qu'un aide. C'est sa mission qui était importante. J'espère que cela te prouve que tu peux me faire confiance. Ça prouve ta compétence. Pour la confiance, tu as lu ce message. Je devais m'assurer que ce serait une preuve. Ça pouvait être n'importe quoi. En effet. Et cette présence d'esprit te vaut une autre tâche. Je veux que tu retrouves mon messager, Eremos. C'est le messager de la note ? Oui, il est impératif qu'Eremos soit libre et gagne le navire que j'ai fait préparer pour lui. Où est le navire où je dois le conduire ? Pour l'instant, il est préférable que tu l'ignores. Il te le dira quand tu l'auras trouvé. Parle-moi de ton messager. Il n'a guère d'importance, mais sa mission est capitale. Trouve-le pour qu'il puisse l'accomplir. Quelle est la mission de ton messager ? Moins il y a de gens à la connaître, mieux c'est. Mais sache qu'elle est vitale pour l'avenir d'Athènes. Où dois-je chercher, Eremos ? Si les Spartiates le tiennent, il sera à la vieille carrière. Je sais de sources sûres qu'ils y gardent leurs prisonniers. Ne t'en fais pas. J'amènerai ton Eremos au navire. Thank you.
Tu as appris. La cargaison de vivres arrive enfin. Le messager, il est détenu dans ce camp prisonnier. Curieux, qu'est-ce que c'était ? Je dirais qu'il est trop tard pour Rémos. Apparemment, le messager de Cléon n'était pas le seul prisonnier. Je peux peut-être les aider aussi. Yeah.
Évitez qu'on me voie ici. Le messager. Il est détenu dans ce camp de prisonniers. Je dirais qu'il est trop tard pour une réponse. Apparemment, le messager de Clay n'était pas le seul prisonnier. Je peux peut-être les aider aussi.
Merci. Il faut que je rejoigne mon navire. Je te récompenserai. Tu as un navire ? Oui. Je suis venu à terre pour rencontrer quelqu'un. Tu l'as peut-être vu. Il profite de l'hospitalité spartiate au bout d'une corde. Et Remos ? On m'avait envoyé le sauver. On peut encore accomplir la mission si tu m'aides. Dis-moi qui tu es. Le capitaine Onomakles. J'ai une mission urgente. Il faut que je parte d'ici. Les patrouilles spartiates peuvent nous trouver à tout moment. Tu as raison. Nous devons rejoindre mon navire. Je vais t'amener à ton navire. Indique-moi sa direction. Il est sur la côte, au sud de la plage de Marathon. Qu'est-il de si important, ce navire ? Ce n'est pas le navire. C'est sa cargaison. Elle doit arriver à destination. Et c'est quoi la cargaison ? Je te remercie pour ton aide. Mais il vaut mieux que tu l'ignores. Pourquoi cela ? Confiance. Nous agissons pour la sécurité et pour la vie. Cette mission doit être un succès. Ma paye en dépend, alors crois-moi, elle le sera. Je dirais que ton équipage a connu le même sort que toi. Je ne reprocherais pas à Remos. Ces Spartiates sont des gens durs. Reste ici. Je vais tuer les Spartiates, détruire leur navire et libérer ton équipage. Ah!
Ah!
n'allez plus là-bas. Quittez vos postes. Un grand service à Athènes. Je ferai en sorte que tu sois récompensé à mon retour. Eh bien, tu as parlé d'un paiement. Mieux que ça. Quand ils apprendront ce que tu as fait, des gens importants t'accorderont leur appui. Il paraît qu'il est utile d'avoir des amis puissants. Par les temps qui courent, c'est une vérité absolue. Mais encore ? J'en ai assez dit, mon navire m'attend. Merci encore, Mistios. J'espère que nous nous reverrons. Je dois rester caché. On aille voir ce corps. Je suis sûr d'un quoi. Prépare-toi. Elle est à moi. C'est le moment. Sors-toi !
Adieu à la vie. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Je sens que... Maintenant!
De la guerre et de la sagesse.
t'a fallu plus de temps que je ne l'imaginais. Il y a eu des complications. De quelle nature ? Ton messager était mort à mon arrivée, mais j'ai pu libérer le capitaine et le navire est parti. Donc, j'ai réussi la mission. Ah, pauvre Eremos. Mais je te remercie de ton initiative. Le sort de ce pauvre Eremos te laisse assez indifférent. Toute lutte exige des sacrifices. Eremos a su tenir son rôle. Qu'y a-t-il de si important à Mytilène ? Des gens. Nous avons besoin du plus grand nombre d'alliés possible. Ça a demandé plus de travail que prévu. Tu seras amplement récompensé. Tu as rendu un grand service au peuple et à moi. Un jour, tu constateras ton rôle dans cette grande œuvre.